ce qui fait qu'on manque d'altruisme dans la vie ou qu'on est un petit peu sectaire, c'est notre ignorance. Hein, on est bien d'accord, c'est notre ignorance qui fait qu'on porte un jugement très rapide sur l'autre. Voilà. Et j'ai ah, mais je te jure, je me suis dit, ils vont me chourer mon portefeuille, quoi. Parce que moi, je les connais pas, les Roms de Slovaquie orientale, tu vois. Et j'ai eu un accueil, comme si j'avais été dans ma famille. On m'a fait manger, on m'a fait boire, alors qu'ils n'ont rien à bouffer, rien à manger. Et j'étais un invité d'honneur parce que j'avais daigné aller jusqu'à eux. Et j'ai passé un moment, mais absolument formidable. Et je me suis dit, putain, même moi qui suis de la partie, j'ai des préjugés à la con, quoi. J'ai des préjugés à la con sur ces gens que je vais croiser, hein. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement dingue. Vous en avez pas, vous, des préjugés? Jamais, toi. Dans le cadre d'artistes au lycée, donc les enseignants ont souhaité qu'on intervienne dans votre classe. Et ça vous fait quoi de qu'il y ait du théâtre comme ça dans une salle de classe ou qu'il y ait du théâtre dans le lycée? Mademoiselle, oui, j'ai entendu une petite réponse. Non? Il y a d'autres questions? On me suppose des désirs que je n'éprouve même pas. Je ne suis que le support sur lequel ils inscrivent leur vision de moi. Au printemps dernier, j'ai quitté le lycée. Celui qui sort, silence, s'il vous plaît! Donc, vous allez parcourir des petits exercices de théâtre, d'accord, très ludiques, et c'est une manière pour vous de traverser ce que nous, professionnels, on utilise aussi quand on répète sur des pièces de théâtre. Donc, comment on se met dans des conditions de corps et d'esprit pour se rendre disponible. Là, on travaille en groupe. Levez le regard, essayez de prendre conscience de tout cet espace-là. Si vous sentez qu'il y a un gros vide quelque part, il y a un problème. J'aimerais vous poser une petite question. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'une chanson? On peut exprimer notre tristesse, notre joie, nos amours. Je pense à la chanson d'amour, par exemple. On va être le premier genre, après, il y aurait quoi? Chanson de rue. De rue? De rue, t'as dit? Oui. C'est quoi des chansons de rue? C'est du rap. Ah, des chansons du rap. Ouais. Ok, alors ça, c'est un genre musical, le rap. Mm-hmm. Mais le rap, il dit quoi? Enfin, dans les rap, qu'est-ce qu'ils disent, les chanteurs de rap? C'est la crise du développement et de la croissance qui a toujours été un peu trop considérée comme la seule voie du salut, alors que ce n'est que dégâts et destruction. Enfin, excusez-moi, mais le développement. Mais quel développement? Le développement, c'est quand même l'amélioration générale des conditions de vie, c'est la pensée vers la démocratie, donc la réduction des inégalités. Passons vivante, Marseillaise, souffle par l'orage emporté. Allons, semant la liberté sur les monts et sur la falaise. Passons les mers, passons les noirs ballons, passons. Le suaire blanc se mit à tournoyer, à tourbillonner comme le diable avant Matine, le vent à geindre comme si on lui avait enlevé sa femme. Pourquoi on fait du théâtre depuis 2000 ans et on en fera encore pendant peut-être 1000 ans ou encore 2000 ans? C'est-à-dire que c'est la seule chose où moi, je suis en train de te parler à toi. Tu n'as pas un écran devant toi, tu n'as pas un ordinateur, tu n'as pas un livre ou même quelque chose. C'est-à-dire que moi, je vous parle à vous directement. Et vous parlez à nous dans la rue et c'est pas qu'un du théâtre. Dans la rue, moi j'ai un truc à faire et toi tu as autre chose à faire. Djelem Djelem, c'est un poème
d'un Digan qui a été gazé à Auschwitz. Et on a décidé de prendre ce poème pour en faire un hymne, en fait, tout simplement. Jelem, jelem, lungo nedro menza. Jelem, jelem, lungo nedro menza. Lungo nedro menza. Jelem, jelem. Et ce qui vous donne du volume dans la voix, c'est pas la voix, c'est l'air, d'accord? Si je fais tutti frutti tequila, je reste là. Tutti frutti tequila, je donne de l'air. Ah, d'accord, on refait du tout. C'est bien, vas-y, continue, continue, pousse ça. Oh, pronto. T'as un coup de foudre pour lui, t'as un coup. Je remercie vos camarades qui sont derrière d'avoir appris deux chansons en fait qu'on va vous chanter, qui font partie de notre culture du patrimoine. D'accord ? Et on garde logiquement, ça c'est parti, hein, tu vois. Je vais le faire sur celui-là, c'est malheureusement parti, mais on garde la peau, hein. La cuisine gigane est généreuse. Qu'est-ce qui peut vous plaire dans l'idée de vous occuper de personnes âgées ? Je trouve ça très beau, moi, ça me fascine. Mais déjà, devenir un aide à des personnes ouais, qui sont pas autonomes, quoi, c'est... Je trouve ça super chouette. C'est déjà être tourné vers autre chose que soi-même, c'est quand même pas rien dans ce bas monde. Où je trouve que ça manque un peu d'altruisme et tout ça, d'être vers l'autre, quoi. Donc je trouve ça déjà vraiment étonnant et c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Et chez moi, quand on a aimé quelqu'un qu'on a rencontré, chez moi on dit la chodrom. C'est ce que ça veut dire? Non. La chodrom, en fait, quand vous avez rencontré quelqu'un que vous avez aimé, c'est pour lui souhaiter une bonne route et une bonne vie. Hein. Comme en français, quoi. Non. Toi, quand t'as rencontré quelqu'un, attends, t'es en train de me dire que t'es zigane ou bien? T'es en train de me dire que t'as rencontré quelqu'un que t'aimes bien, tu lui dis, hey, bonne route, bonne vie. Non, mais on disait que du bonheur, quoi. Attends, toi, quand t'as rencontré quelqu'un dans la rue, tu lui dis,